Que de beaux souvenirs, le rugby. Jusqu'à ce funeste jour des matchs du tournoi des 7 nations où j'ai été victime d'une injustice. J'ai été expulsé. J'ai été expulsé pour avoir fait une fourchette. Alors que jamais... Ou par mégarde, peut-être. Et là, t'arrives au milieu du terrain. Qu'est-ce que tu te vois pas? Un regroupement. 4 ou 5 types enchevêtrés. Avec au milieu... une belle tête qui dépasse. Une tête de veau gribiche. Oh, ça se représentera pas. Oh, qu'elle est belle. Alors là, il faut la jouer fine. Hein. D'entrée de jeu, discrètement, tu regardes la progression, pas du ballon, tu t'en fous bien sûr, mais de l'arbitre. Tu regardes ces deux salopes d'arbitres de touche, ces fumiers toujours prêts à se faire remarquer. Et là, à un moment donné, il faut y aller. Oui, parce que faut pas trop attendre. Parce que le problème, c'est que quand tu as une belle friandise comme ça au milieu, derrière, ça génère des gourmands. Le chope, pas de pitié pour les débiles. Et là, tu te le ramènes comme ça. Tu te le ramènes et là, pim! Le pic à bulot. Et là, pam! Dans les yeux! Et là, tu te le travailles à l'ancienne, nom de Dieu! Et là, tu lui dis... Moi, le ballon, je le toucherai pas, mais toi, tu le verras plus. Je dis pas que de temps en temps, pour éclairer le jeu, j'envoyais pas une brave mornifle. Tu te prépares, et là, tu te lances, pim, et là, t'accélères. Jamais rester sur la bête qui s'effondre. Jamais. Faute professionnelle, si tu restes. Et oui, parce que la bête, en s'effondrant, couine. Et là, l'arbitre se retourne. Moi? Alors? Alors? Vous pensez? Non! Moi, j'étais en scooter, là-bas. Non, non! Un an de suspension. Un an de suspension. C'est long, un an. Quand tu prends un an dans la gueule... Et que le soir tu rentres à la maison et que tu dis que t'as pas fait exprès. Surtout quand c'est pas la première fois. Tu passes pour une trompette.